Est-ce qu'on s'est déjà découvert au Cameroun? Non, je n'ai jamais eu de médaille. Mais je vais écrire la présidente de la République et on devrait vous découvrir. De médaille, je veux vous cool. donner, j'ai 23 ans d'enseignement à l'IRIC, j'ai 37 ans de militantisme, je vous assure, monsieur Moifo, je n'ai jamais été décoré. Ah bon? Non. Et votre jeune directeur de l'IRIC, là, qui a 39 ans, 40 ans maintenant, lui a été décoré, je suis sûr. Oui, il a pratiquement mon âge, il a 58 ans. Mais ce que je voudrais vous dire, la décoration me laisse incontestablement de marbre. Pourquoi? Parce que j'en connais comme les Mbongo, les autres, tout ça. Ils sont des grands cordons, ils sont des. Et d'autres même sont des commandeurs. Il y a beaucoup de commandeurs en prison. Donc vous voyez que vaut même encore une décoration dans un environnement. Je pense que la revalorisation de tous ces stratagèmes, c'est-à-dire les thèmes que nous avons développés, et les transformations de notre société vont s'opérer avec le renouvellement de la classe politique. Est-ce que renouveler une classe politique est nécessaire? Oui, mais à une condition. Il faut revaloriser les hommes et les femmes politisés. Parce que malheureusement, nous avons des hommes et des femmes qui arrivent comme un cheveu dans la soupe parce qu'ils appartiennent à des réseaux chemins. D'accord. Et cette politique de favoritisme et de construction et de voire même de tentative de matérialisation de la vision politique du chef est neutralisée par le copinage, les coquins, les amis, les ethnies. Parfois, est-ce que, si vous me posez la question, nous avons par moment une crise du tribalisme chez nous? Oui. Parce que quand même, je ne voudrais pas toujours prendre sur mon dos de ressortir le tableau noir des postes au Cameroun. Mais quand vous les regardez, quand même, ça fait mal. Vous vous posez quand même la question, comment est-on arrivé là? Arrivé à croire que certaines personnes peuvent occuper toujours les mêmes postes. 17 ans au ministre. Même sans compétence. Non, écoutez, au-delà même des postes de durabilité, vous avez des zones qui ne sont pas représentées. Regardez, moi, je suis un savoir. Le professeur Soso a été récemment sorti recteur. Moi, j'ai constaté que il n'est pas dans cet organisme qui régule les doctorants. Non, il y a trois ou quatre jours, Soso qui est d'une cam n'est plus recteur. Ah, d'accord. Bon, mais alors moi, j'ai constaté quelque chose que je dois vous dire. Il faut quand même que je parle à mon frère et à mes femmes. Donc, à Yaoundé 2, le recteur s'appelle Mba. Il est du Sud. Il a remplacé Minkwa du Sud. Et Minkwa du Sud a remplacé au Conseil constitutionnel Joseph Ouna du Sud. Mais à Yaoundé 1, c'est un Ewondo qui remplace un Yabassi. Comme s'il n'y avait aucun Sawa capable d'être recteur. Et la même configuration. Si je l'avais dit, vous m'auriez dit, ah, oh, vous êtes pas mis les clous, non, écoutez, non, je vous montre un peu ce qu'on appelle le tribalisme administratif inconscient. Bah, écoutez, je vous donne encore des chiffres. Oui, allez-y. Prenez les gouverneurs au Cameroun. Quand je vous dis que nous, les biaïstes, nous sommes le socle de transformation d'un Cameroun juste. Vous savez que les ressortissants du centre, sud et est ont pratiquement 5 gouverneurs. Centre, sud et est. Et est. 5 gouverneurs sur 10. Je vous laisse sur 10. Ouais, allez-y. Regardez. Vongo. Qui est du centre, il est Nanga. Et il est gouverneur, De l'Est. De l'Est, ok. Oukala Bilaï est du centre. Oui, il est comme Bongo, il est gouverneur du sud-ouest. Abate, Edith, est du sud, il est gouverneur du nord. Ngele est de l'Est, il est gouverneur du sud. Et maintenant, quand vous allez rechercher Iva Adiboua, il est du sud, il est gouverneur dans le littoral.
Et bon, les cinq autres viennent d'où? Parce que les cinq autres sont comme ça de manière éparse. Il y a l'extrême nord, oui. Le nord, oui. Et puis il y a un Bamileke de l'ouest. Vous n'avez jamais dit un Boulou ou un Ewondo, mais quand c'est un nom de l'ouest, vous dites un Bamileke. Non, pourquoi vous dites pas un nom de l'ouest? J'ai dit Mbongo et de Nanga. Vous voyez? Non, s'il vous plaît. Non, je n'entre plus nulle part, mais je vous explique de manière inconsciente. Donc il y a un nom de l'ouest. Il y a et puis le dernier est du sud-ouest, Nasseré Bia Chenou. Bien. Écoutez encore, prenez les préfets. Allons-y. Nous avons 58 préfets. 35 sont originaires du centre et du sud. Pardon? Mais écoutez, vous savez, mais écoutez, moi je pense que de manière inconsciente. 35 sont originaires du sud, vous dites? Je vous dis du centre et du et sud. Du sud, centre et sud. Oui. Ça, c'est le sud. Bon maintenant, regardez. Il reste 23. Regardez un cadre qui nous concerne. Le directeur de l'IRIC, il est du centre. Le directeur de l'école normale, il est du centre. Le directeur de l'ENAM, il est du centre. Le directeur de l'ENAM, le directeur de. Il est doyen. Alors quand vous voyez l'université. Le directeur de la CNPS est du. Non, je parle d'abord des grandes écoles. Académiques. Parce que je dis sur le plan académique, les choses qui peuvent choquer et qui sont des trahisons, telles que le président Paul Biya a dit pour marquer la politique d'équilibre du journal. Comment on peut remplacer un recteur du littoral par un recteur du centre? Ils ont le fond un peu, hein? Alors, écoutez, je vais encore aller loin, au-delà des préfets. Parce que je vais vous dire quelque chose, nous les Sahouas, on n'a même pas de gouverneur. Aucun gouverneur n'est originaire du littoral. Bon, maintenant, je reviens donc sur l'université. Quand vous prenez l'université de Yaoundé 2, le recteur actuel, Mbaki, même un ami, pour quelqu'un qui a une compétence, malheureusement, on pouvait équilibrer ailleurs et faire mettre Mba. Il est du sud. Le vice-recteur Abouya Manassé est du centre. Bon, prenez Yaoundé 1, où le recteur serait du centre lui aussi. Et toi? Le vice-recteur Onanguini est du sud. Ah, Onanguini, notre ami Onanguini. Bon, vous comprenez? Alors, quand vous faites la rétribution des recteurs, regardez, je vous donne encore les chiffres. On a 11 recteurs. Le recteur de Yaoundé 2, il est centre et sud. Yaoundé 1, il est centre et sud. Le recteur de l'université de Douala, il est centre et sud. Comment il s'appelle celui de Douala déjà? Ondoa Magloa. Parce que j'ai connu un Samuel. Oui, Ondoa Magloa. Il est compétent, mais qu'on rationalise. Bon, maintenant, le recteur de Douala, il est centre et sud. Et le recteur du sud, celui de Yaoundé 1, c'est Étoile. Celui du sud, c'est Étoile et toi. Je pense quand même que les gens doivent aider le président. Attendez, je vois des gens en coulisses qui rient et ils ont bien raison. Non, écoutez, vous comprenez, je pense que je sais qu'ils vont encore me rentrer dedans. Entre vous et moi. On va dire que je vous ai tribalisé. Non, on m'accuse facilement. Écoutez, vous croyez quand même que nous aussi, quand nous écoutons souvent la radio, je n'ai pas envie d'entendre que je suis recteur ou vice-recteur, ils vont encore dire que j'ai demandé. Vous voulez dire que je ne mérite pas aussi d'avoir même quelque chose? Bon, ils nous ont habitués à dire que ceux qui demandent sont des mendiants. Et on ne leur donne pas parce qu'ils forcent la main. Mais ça ne pourra pas continuer comme ça. Ils ont bousillé le programme présidentiel d'équilibre régional. Ils ont bousillé l'État. Professeur Messanga. Pas de promotion tribaliste inconsciente. Professeur Messanga. Et là encore, permettez-moi. Vous êtes très remonté, permettez-moi. Je ne vous cite pas les directeurs généraux. J'aimerais bien avoir leur nom. Je ne vous cite pas. Mais allez faire des recherches. Pourquoi vous voulez toujours me sacrifier? Vous êtes au Cameroun. Hein? Je ne vous cite pas les directeurs généraux. Je ne vous cite pas les nominations dans les forces de défense et de sécurité. Est-ce que je peux placer un mot? Vraiment placer? Je peux. Mais je vous en prie. Il y a seulement 2 ans, j'avais reçu la liste des recrues dans la police camerounaise. 89%
des élus dans cette liste-là était du centre-sud. Je l'avais adressé à un haut responsable politique camerounais pour lui demander, dites-moi, n'y a-t-il que dans le centre et le sud du Cameroun que les enfants vont à l'école? Et il s'est énervé, il m'a insulté. Un haut responsable, un représentant du président Biya. Comment peut-on, dans un pays où on parle d'équilibre régional, qui comporte 10 provinces, qui compte 256 langues qu'on a pu compter, avoir 85% des noms des recrues dans une liste de la police qui soient des deux provinces, le centre et le sud, et de deux régions, deux régions. Bon, moi, ça fait longtemps que je suis parti de ce pays. Et aujourd'hui, comme je ne suis même plus Camerounais, je n'ai plus de passeport, donc je peux dire ce que je veux. J'ai le droit. Donc, comment peut-on expliquer cela? Et là, je salue ce que l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté, tout ce cours que vous venez d'avoir en dénonçant cela, comme Henriette Ekoué lorsqu'elle était encore lucide. Non, ce n'est pas normal. Voilà. Vous savez que les tendances actuelles ne renforcent pas l'unité nationale. Moi qui vous parle, je suis pourtant de mère Betty, mais mes oncles Betty exagèrent. Vous savez que chez les Betty, je suis ce qu'on appelle mon cal. Ça veut dire? Le neveu. Le neveu, ok. Je suis autorisé à tout dire. Mm-hmm. Et dans cette posture, les autres ne peuvent pas parler. Parce que moi, je suis de mère Betty. Et je suis bien placé pour dire à mes oncles qui m'ont abattu, parce que ceux qui ont voulu aussi me détruire, parce qu'ils critiquent les Bamlékés, un Bamléké ne pourrait pas détruire son fils. Ceux qui ont tenté de me détruire, ce sont mes oncles. Betty. Parce qu'ils ont estimé que j'étais devenu gênant pour une construction juste du Cameroun. Une construction juste. Du Cameroun. Il prononce le mot juste quand il parle de construction. J'étais devenu gênant pour qu'il y ait une construction juste. Pour effarer cela. Mais regardez, le Cameroun aujourd'hui a besoin des hommes et des femmes honnêtes, compétents. Mais quel est ce pays où, de plus en plus, c'est les moins gradés qui commandent les plus gradés? Comment? Avec du directeur de lyrique qui... Non, encore ça, c'est éphémère. Je ne parle pas du directeur de lyrique. Oh, je parle de tous ces hommes et femmes qui vont nous écouter. Parce que dans les bureaux, vous allez voir que le critère d'excellence n'est plus... la compétence. N'est plus la chose la mieux partagée. Par exemple, vous allez voir que vous êtes colonel. Hein? Mais c'est un lieutenant-colonel qui tient un service qui régule votre structure. Vous allez voir que vous êtes commissaire principal ou divisionnaire. C'est celui qui est commissaire 4 étoiles qui a une structure qui vous tient en commandement. Alors moi, j'ai toujours pensé que si nous voulons que le Cameroun se construise avec force, il faut vulgariser la compétence. Ça veut dire quoi? Quand vous venez par exemple à l'université, vous prenez un chargé de cours, vous mettez chef de département. Là où il y a un maître de conférence, comment vous pouvez dynamiser l'excellence? Moi, je pense que la rétribution du commandement académique, statocentré, devrait commencer par se faire par ordre de grade. Professeur, vous comprenez? Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une espèce de débat où le destin du chercheur. Et il y a même des cas où, quand il se fâche, on vous dit que vous n'entrez même plus à l'amphi. Hein. Regardez, je vous prends un cas banal parce que vous avez cité l'IRIC à plusieurs reprises. À l'IRIC, je suis actuellement, qu'un seul de mes collègues lève la main, je suis aujourd'hui après Pondi, qui a pris sa retraite, Zam qui est décédé, Abotabi qui est décédé, Dieu de nous. Comment on peut priver de mérite l'un des rares professeurs titulaires de relations internationales que je suis? Mais il préfère prendre mes cours parce que et les donner à quelqu'un d'autre. On dit qu'il n'a qu'à les dire. L'autoritarisme administratif, statocentré, est en train de détruire le champ de recherche chez nous. Tout ça sous le pouvoir de votre champion. Oui, on ne peut pas continuer à jouer comme ça ou... Quand vous allez dans les ministères, et je termine là-dessus. Oui, s'il vous plaît. Je vous assure que les frustrations ont dépassé tous les bords. D'accord. Prenez le cas du MIDREX. Ministère des Relations Extérieures. Voilà. Où j'ai beaucoup d'étudiants. Je regarde souvent ce qui s'y passe. Je vois un ministre plénipotentiaire
qui est sous l'autorité d'un conseiller. Je vois un attaché, un secrétaire des affaires étrangères, bon, qui est sous l'autorité d'un attaché des affaires étrangères. Or, quel est l'objectif? Si nous voulons nous tourner vers l'excellence, il faut toujours commencer par privilégier, même si on nous dit que la fonction appartient à l'État, le grade appartient à l'homme, mais cet adage de Georges Burdeau signifie que lorsque vous discriminez avec les meilleurs. La discrimination ne voudrait pas dire que vous allez aller prendre un administrateur civil principal, vous allez le mettre sous préfet, et vous allez prendre un administrateur civil, vous mettez préfet. Vous tuez le rêve. Vous créez des frustrations et vous ne construisez pas un pays où les dynamiques doivent rivaliser entre elles à l'effet de produire quelque chose d'efficace. Vous finirez par légitimer tout ce que je dénonce quelque part. Voilà les changements que nous voulons opérer. Merci de le dire à ma place. Et il faut changer de paradigme aujourd'hui. Très bien. Ayons le courage de dire que ce sont les meilleurs, les hommes et les femmes qui travaillent dur et qui atteignent un certain piédestal de grade et qui devraient être récompensés et couverts par la fonction. Quel est ce pays où les moins gradés commandent toujours les plus gradés? Vous chutez là-dessus. Je vais prier ceux qui sont en coulisses de ne pas s'impatienter. On a le dernier chapitre. Et à la fin, je voudrais fraternellement partager deux grains d'argile avec chacun, car vous êtes mes frères. Même si nous nous opposons sur certains terrains, vous êtes mes frères. Voilà, à la suite de ce que le professeur Moussanga Nyamdine vient de dénoncer, je vous conseille de regarder l'émission avec Joël Didier Ingo intitulée « Cameroun, tribalisme de l'État, sa genèse et son fonctionnement », ça va dans le même sens. Et le professeur Moussanga Nyamdine, comme Joël Didier Ingo, sont des gens qui connaissent très bien l'appareil d'État. Oui, mais en attendant, concernant l'université, non, vous avez monsieur Jacques Famendongo, que j'ai bien connu, oui, permettez-moi de dire que il y a quand même des choses qui ont échappé au ministre d'État. Vous savez, les gens, moi je suis quelqu'un encore en fonction qui travaille, il faut qu'il fasse très attention. Parce que moi j'ai l'impression que le ministre Jacques Famendongo ne réalise même pas l'état de tension et de frustration qui règne actuellement à l'université sous son magistère en tant que ministre d'État, ministre d'enseignement supérieur depuis 17 ans. Très bien, j'ajoute cette phrase. Il faut qu'on rattrape ça. J'ajoute une dernière phrase, après nous passons à la dernière partie. Chers téléspectateurs, en mars 2006, je tournais un documentaire au Cameroun. J'avais tourné à l'université Yaoundé 1, j'avais tourné à l'université Yaoundé 2. J'avais découvert qu'il y avait des structures dans ces universités qui recrutaient des jeunes filles qu'on envoyait dans la prostitution en Europe. Le documentaire Les filières africaines de la prostitution, oui, vous ne savez pas qui l'a tourné, c'est Jacques Moffo, c'est moi, qui a été diffusé sur TF1 France, sur Planète, sur Canal, sélectionné au festival des meilleurs documentaires aux États-Unis. Oui, c'est moi qui l'avais tourné. Lorsque tu as ce documentaire-là, votre ex-ami, feu Suzanne Bombach, avait fait retirer nos passeports, mon collègue et moi, et les avait envoyés à M. Jacques Famendongo. Nous étions prisonniers à ciel ouvert au Cameroun, 48 heures. On nous reprochait de salir le Cameroun. Pourtant, nous essayons de comprendre pourquoi le Cameroun s'enfonçait dans ce que vous dénoncez aujourd'hui. Vous venez aujourd'hui légitimer ce que nous dénoncions dans un documentaire il y a 18 ans. Comme quoi, il vaut mieux écouter les journalistes. Ils ne sont pas là pour vous emmerder, ils sont là pour vous faire prendre conscience et essayer de changer de paradigme. C'est tout. Si on nous avait écouté, le Cameroun irait peut-être. Bon. Et ouais, nous nous plaignons de ce qu'il y a ces injustices. Mmh. Et lorsque vous dénoncez ces injustices, certains vont dire que vous êtes contre le président. Ben, c'est ce qu'on nous a dit au Cameroun. Voilà. Malheureusement. C'est souvent ça. Et depuis, j'ai choisi de ne plus jamais tourner au Cameroun. Non, mais je tourne à Dubaï, je tourne au Canada, je tourne aux États-Unis, partout, sauf au Cameroun. Je vous confirme que, si vous voulez, il règne une terreur politico-administrative de la complaisance autour du président Poubert où chaque jour nous pleurons. Bon, c'est bien qu'ils prennent. Nous pensons quand même qu'il faudrait que les gens prennent bien conscience que on ne peut pas continuer comme ça. Et alors, écoutez, quand les gens veulent des actes de progrès, des actes de crédit,
Ou parce que par leurs actes, ils ont déshumanisé l'État. Totalement déshumanisé l'État. Et aujourd'hui, la peur ne vient pas, et surtout, de ce petit peuple. Ce qui me choque, ce sont les intellectuels. Bien. Mes collègues, tous la ferment parce que ils veulent toujours que c'est moi qui parle, ou d'autres. Et après, ils vont dire, comment je savais qu'ils vont écouter ça? Ils vont couper, ils vont envoyer la femme de mon ministre d'État, ils vont envoyer partout. Vous voyez comment il a encore allé dire. Pourtant, en privé, ils sont tous d'accord avec moi. J'ai un collègue un qui apprécie. Une bande de lâches. Oui, ben attendez. Vous n'avez pas honte, vous les intellectuels camerounais? Je vous dis, il y a un. Vous croyez qu'on peut maltraiter, on peut maltraiter chaque fois les universitaires comme ça se passe? Et vous êtes tous complices. Professeur. Mais je pense que le choix que j'ai opéré à faire de la politique. Ça aussi, il faut le dire, c'est pour prendre le pouvoir un jour avec certaines personnes. Nous allons donc aller là-dessus bientôt. Et vous permettez que on se batte plutôt en politique pour réparer ce que certains ne veulent pas de manière juste donner aux autres dans l'administration.